Nani Tukuru. Ok, c'est Agi, bienvenue pour cet épisode 37 de Dragon Quest VI, le royaume des songes. Nous avons participé lors du précédent épisode à un concours de style et on a remporté un fameux tapis qui doit traîner dans mon inventaire quelque part. Le voilà, tapis pelucheux qu'on va devoir ramener à Sorceria. Mais avant, on m'a indiqué des choses par commentaire puisqu'on avait rejoint le pic des tisseurs, si je me trompe pas, c'est dans le monde des rêves, donc dans notre monde. Là, du coup, on a changé de monde, et dans celui-ci, il va falloir qu'on y retourne dans ce pic des tisseurs. Et pour ça, il va falloir passer par le haut, mais comme tu peux le voir, il y a des zones qu'on n'a pas visitées en bateau, qu'on va aller faire avant de ramener le tapis. Notamment en bas, à l'ouest, et là, nous, on va s'occuper du nord, en passant par là-haut, des écaillosaures. Qu'on a jamais combattu, on va le faire, la pied circulaire. Ah tiens, j'ai gardé l'aura. Va falloir que je la change. Et tu vas te mettre en défense, toi. Je vais changer l'équipe et puis on va skipper les parties dans la flotte. Parce que il y a quand même des trajets à faire. Et justement, on a des choses à faire. Au bout d'un moment, il faut qu'on y aille. Donc, niveau 20. C'est tout bon, ça. D'ailleurs, parlons de ça. On est pas mal, on est pas mal. Allez, on y va. Puis en même temps, on va pouvoir débloquer les morceaux de map, les morceaux de zone. Donc ça, c'est bon. Voilà, déjà, il y a une partie où je peux aller. On va visiter un petit peu ça. Hein. Histoire de voir, bon, vivant, c'est 14 heures pour saouler. On va fuir, on va s'embêter. Hop, et j'ai dit quoi? J'ai dit alignement. Brutus, le héros. On va te remettre toi. Et là, on est bien. Alors, en bas, ça, ça a été fait. C'est ce que je vois. Et là-haut, il n'y a que dalle. Bon. On est reparti. Ouais, là, on peut y aller. Bon, il y a qu'un lac de poison, par contre. C'est pas intéressant. Il y a peut-être un truc caché. On va voir ça. Ouais, ça va faire mal. Oh! Oh, 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 oh. Un gluant de mercure! Alors ça! Ils apportent un ennemi en un coup. C'est ça ton attaque critique. Hein. Case d'entier, je sais plus si ça compte comme un coup critique. Allez, porte épique, le gluant de mercure. Oh, là, 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 là. Oh, c'est normal de buter celui-là. Oh, l'XP! Porte épique aussi. Mais t'avais autre chose, Brutus, comme attaque. Balayage, abnégation. Coupe claire, voilà. Je me disais bien. Le porte épique. Qu'est-ce que tu as, toi? Je joue des gars ennemis, mais blesse aussi utilisateur. Pas intéressant, attaque du faucon. Ça tape plusieurs fois. Je vais tenter cette chose. Alors, faut pas qu'il fuit, hein, en revanche. Et là-dedans, bah, j'ai pas grand-chose. Fait super kill. Ah, oh, c'est pas un groupe. Pas super banque. Ok, il reste. Pas affecté. Le feu, on tient bon. Allez, bute-moi ça. C'est bon. Ah, il est tué. Ouh, ce carabine avec les attaques désespérées. C'est bon, on a buté notre premier gluant de mercure. Et premier qu'on a trouvé en plus. Hein. C'est beau ça. On va taper la lampe, ok. To do. Hein. 105. Il y a pas mal de défense. Hein. Ah bah. Ça c'est sûr. Allez, le casse dentier. Casse dentier. Tu vas soigner, s'il te plaît. Hop là. D'ailleurs, j'ai même pas remis leur objet convenablement. Bah alors. Hop. Je le ferai dans la prochaine ellipse. On rate. Hein. Ça a pas l'air de fonctionner. Bon, on va utiliser de la magie. Ça va être le mieux à faire.
Alors, avec toi, bah t'as rien pour attaquer, si. Super flamme. Et une non, glace. Super glace. Allez, super glace. Ça, ça morfle. Et ça meurt pas. Leur envoie de dégâts, c'est trop bien. Pas affecté. Le feu, ça fonctionne. Oh mon dieu. Coupe claire. Continue à le frapper, lui. Alors, super glace, du coup. Ah, ça fonctionne, la glace. Pas le feu. Non, c'est les... C'est la glace qui ne fonctionne pas. C'est le feu qui fonctionne. Bon, c'est un méga crame. C'est bon. On va pas m'enquiquiner non plus. Hop. Et il protège. Hein. Voilà, il est mort. Attaque critique. Flame. Oh, 11 000 pour l'expérience. Ça, c'est sûr. Hein. Bah, tout le monde va monter un niveau. Hein. Mais on n'apprend rien. Tu vas niveau 22. Sauf qu'il y en a. Ah, même pas tout le monde. Aïe 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 aïe. Ok, y a rien du tout. Ok, c'est bon, tout le monde est récupéré comme il faut. Là, je peux accoster. On va le faire. Mais bien sûr, un combat de monstre. Hein. Vagvorus. Là, bon, on va mettre un casse-denti dessus. Sur la venicombre. Il faut vite amocher parce que ça tape plusieurs fois. Super bang et puis super bang. La tortue. Hein. Y'a que la magie qui fonctionne dessus. Hihi, le robot de dommage. Touk. Yoyamik. Pas suffisant. Tu as frappé normalement. On va rajouter super bang. Peut-être pas avec lui. Comme ça, on va pouvoir soigner. Ouais, la tombe paradisia. Et elle fait super bang. Brutus qui commence en deuxième position quand même. Hein. Peu d'agilité, mais il y va. Hein. Allez, pose-toi. Ok. Là-haut. Ah, petite demeure. Je pense pas qu'on l'ait fait ce truc. Vas-y, on va les défoncer aussi. Méga crame. Défense. Pas affecté. Propulseur. Faites un truc du genre qui dégage un de mes alliés du groupe. Mais ça n'a jamais fonctionné. Tac. Touk touk touk. 50 pièces d'or. Plein de poison. Ah non, ça me dit rien du tout ça. Bien entendu, toujours un puisard. Toujours que ça se ramène ce truc. Torpère ciblée. Dégâts protection. Là, on a plein de personnages qui ont méga protection. C'est cool. Ça nous sert bien. Thor, pas affecté. Et malheureusement. Hop. Petit coup de bâton. Méga altération. Ça marche. Yes! Raté! Dommage. J'aurais bien subi. Attention. Il va faire une attaque du faucon. J'ai pas altération tout simple hein, avec elle. Hein. En défense. Voilà. Super kill. Archevêque. C'est pour Doc.
Ok. Niveau 7. Presque au max aussi. Des lieux non visités. Dans le monde des rêves des trolls. On va devoir vite défoncer. À coup de violence. Tac, hop. Ping, ping. Oh, c'est faible ça. Hein. Alors, ça tient. Ok, c'est le héros. On a pratiquement rien subi. Hein. Toc. Critique. Il en fait pas mal quand même, Brutus, des critiques avec son attaque de base. Tu mets un soin. Non, même pas un soin complet, un soin partiel. Amplement suffisant. Alors. Bon bah. On va aller vers le haut. Ah, rien. On est derrière. Ouais, on est derrière le pic des tisseurs là. Ah, ça m'intéresse. Ouais, c'est bien ça. Et quelle est l'utilité? À part juste retourner dans ce monde finalement. Aucun. S'extirpe. On fuit. Au-dessus de la montagne. Bon. Bah, je vais retourner dans la maison. Je vois pas ce que je peux faire. Super bang. Hop là. Super bang. Hop là. Ah là, ça marche mieux. Ok. Tout ce qui résiste peu à la magie, mais ça. Puis c'est PV, c'est pas inquiétant. Voilà, bon, on va retourner dedans hein, du coup. Intéressant à dire. Ok, donc là il y a du poison. Allez, on va y aller quand même. Ah. Ça fait mal. Ça fait très très mal. Revoir. Un petit multipoint pour changer. On va se calmer avec toi. Et hop là. Bien ça, avec un petit coup de tension, ce serait pas mal. Cri de guerre. Pour effrayer les ennemis. Hop, multi-soin. Oui, blessure de Doc. Où est-ce qu'il a pris les dégâts, lui? Bizarre, bizarre. Ok. Bon, bah, c'est tout ce qu'on avait. Taille-tron. Bien, on va les tailler. Coup de pied. Et les cramer. Ça, ils vont pas aimer. Il a pas aimé. Par là maintenant. Là on s'approche du pic des tisseurs. Ouais, ça m'a l'air bien. Je suis pas embêté à faire ce combat avec la lampe qui chiante. Hop. Faut réussir à fuir par contre.
attention. Voilà. Alors. J'ai bloqué la zone en même temps. Ça, je sais ce que j'ai visité. Là, je suis en train de faire le grand tour. Et pendant ce temps, on tombe sur plein de combats. Allez. Fuyons là. On va te soigner par contre. Hop. Il y a une maison en dessous, on ira aussi. Du coup, ce qui m'intéresse, c'est là. Il y a du coffre. Oh, c'est toi, Chito. Tu n'étais pas avec Sylvain? Il est terrible, n'est-ce pas? Je sais qu'il est grognant parce que Mélodie prend soin de toi. Mais c'est pas une raison pour te traiter comme un moins que rien. Ah, un peu confus. On connaît dans les deux mondes. Tout, ce ménage! Bon, c'est vrai que ça s'affaiblisse l'attaque, mais bon. Quand même pas mal. S'il vous plaît. Et vu sa magie, je peux dormir? Même pas. Il n'y a personne en plus. Alors. Oh. Regarde le petit écran. Notre vrai corps. Hop. Après j'aurai la partie du bas à faire. Je vais chercher tous les coffres. Canobombe. Je te déteste toi. Alors, je suis pas trop le malin. À faire ton explosion à la con. Conjuration. Ok, il sacrifie pour ramener l'autre. Ça me dérange pas. De l'argent, 880. C'est pas mal. Bientôt les 10 000. Histoire de se refaire une bourse convenable. Ok, donc là je suis arrivé là. J'ai le pont avec l'escalier caché. Ça se débloque pas? Non. On va sauter par là du coup. Mini médaille. Plus qu'une. Et on remonte. Tout Metal Gear. Hop. Et ça m'intéresse. Salut Agito, combien de temps tu comptes rester chez Mélodie? Il parle. Mais qu'est-ce que je peux faire d'autre, Sylvain? Mélodie doit être épuisée d'avoir un boulet comme toi chez elle. Mais elle est si gentille avec moi. Mélodie a le cœur sur la main, c'est son grand problème. Tu profites de sa gentillesse en la laissant te gâter comme ça. Mais je n'ai nulle part où aller. C'est pas mon problème. Si ça tenait qu'à moi, je te virerais du village et je t'expédierais au pied de la montagne. Quoi? Regarde pas comme ça. Quelque chose à dire, sois un homme et dis-le en face. Tapette! Je savais que tu n'étais qu'une tapette. Qu'est-ce que Mélodie peut bien trouver un as comme toi? Je me tire, tu devrais réfléchir à ce que je viens de te dire, mon pote. Ok, il s'est cassé. Bon, je vais aller voir plus bas. Toxinavé. On va fuir. Il doit y avoir un coffre du côté droit. Et après, on montera au village. On va peut-être amener
le tapis pour le prochain épisode. J'aime bien garder un thème pour un épisode. Et pas plusieurs choses à la fois. Attends, y'a strictement rien. Y'a strictement rien, ok. Bon, bah, on peut refaire le tour. Là, si on retrouve notre corps à cet épisode, on va retrouver notre vraie puissance. Et on peut être bien. Ce qui serait pas mal avec le héros. Et du coup, tout ce temps, c'était ici. Parce qu'on nous parlait de Somnia. C'est fou, hein, on peut vraiment s'y perdre facilement avec les deux mondes différents. Maintenant, le monde aquatique, hein, si on peut dire ça comme ça. Y'a de quoi faire. On va au village. Et le pic des tisseurs. Quoi, Gito? C'était pas avec Sylvain? Bizarre. C'est aussi le pic des tisseurs, ça a pas changé de nom. La mimine. Hop. Pauvre Mélodie a perdu ses parents quand elle était bébé. Ouais, bah, bah, bah. Eh oui. C'est gentil. Ah, je vais pas te parler, je voulais rentrer dans le puits. Hop. Y'a rien. Tac, tac. De l'argent, 10 pièces d'or. En soi, ça n'a pas changé, hein. Il y a les mêmes personnes. Les mêmes demeures. Ça, je pète, ça, je pète. Faire de tonneau. Waouh. On va aller loin avec ce bouclier. Blablabla, blablabla, blablabla. Pas de ce genre. Moi, je ne bois pas, je ne fume pas. Un esprit sain dans un corps sain. Ça, je vais la mettre, ça, par contre. Un petit peu botus. Ça roupie. Gito, qu'est-ce que tu veux? C'est à propos de Melody. Alors, tu viens à Gito, hein? Tu as l'air un peu différent. C'est peut-être parce que tu as trouvé le courage de te bagarrer. Tu veux m'affronter? Vas-y. Ah, tu peux marcher. Tu vas s'abîmer les mains sur une mauviette comme toi. Je vais pas maltraiter les lavettes. Mauviette! Personne ne me traite de mauviette. Tu vas faire quoi, Pif? T'as gagné la France, mon peuple. Bon, je vais défoncer la porte. Ok, on va aller la voir, t'inquiète. Papy, qu'est-ce que tu vends? Des souris de lapin. Intéressant pour Laura. Hein, pour Doc aussi. Marrant ça. Une reflottante, cette application réduit les dégâts d'attaque de magie et de feu. Donc toutes les magies et en plus le feu. Oh, c'est bien. Oh, mais c'est cher. Cuirasse de dragon, ça aussi, c'est très très bien. Ou des zombies. J'ai pas de dégâts aux morts vivants. Pas mal aussi, mais ça coûte beaucoup trop cher. Bon, je peux prendre des oreilles de lapin. Laura, tu avais quoi toi? Tiens d'argent. Un peu plus de défense, ça coûte pas très cher, je peux me permettre. Prendre des oreilles. Et pour Doc. Qui a rien du tout en défense, hein, on peut le voir. J'avoue que le multi-soin est super, mais le mettre peut-être dans l'équipe, c'est pire que Laura. Quoi.
remercions l'esprit de la montagne. Attends. Air médicinal. Je veux une médaille. Ce serait cool. Tenue de noble. Hop. C'est ce qu'on retrouve et qu'on avait au tout début pour Somnia. Je crois bien. Et la maison Agito. Hé, hey, je me suis habitué à ta présence. Je dirais que tu es vraiment mon frère maintenant. Oh, Sylvain te cherchait tout à l'heure. Qu'est-ce qu'il te voulait? Ne t'embêtez pas, hein? Oui, je sais pas quoi faire de ce garçon. Écoute pas ce qu'il raconte et je suis jaloux, c'est tout. Ouais, j'ai bien compris. J'ai bien compris. J'ai même pas fait le magasin. Acheter, ça va être trop cher, j'imagine. Même pas. C'est de la merde. Autrement dit, de la police. Et on l'a acheté. Sur toi. Dans ce manoir, tu mères. La mini-médaille. C'est parfait, on va pouvoir l'amener. D'ailleurs, je me suis pas trouvé. Est-ce que je serai ici? T'en passes lundi, je vais tout seul, on va t'arriver, c'est pour sortir avec un. Ok. Oh, Gito, jusqu'au temps que tu sois là en direct, tu vas mieux, c'est merveilleux, j'ai craint le pire quand on a dit t'as ramené au village, j'étais en état terrible. Je ne rentre pas à la maison, ça va passer autant de temps que possible avec Mélodie. On va y aller. Fleur de pionnier. On avait déjà chopé un, ça, au concours, non? Fleur à la mode, qui a une... ouais, qui donne de... un peu de défense. C'est pas fou non plus. Ouais. J'ai parlé à tout le monde, c'est bon. Ah, j'étais loin, c'est bon. Mais tu venais de partir, tu n'as pas dit que tu devais aller voir le maire? Bah si, il était loin. On va retourner. Ah bah voilà. What the fuck. Pourquoi ça s'est pas débloqué avant? Qu'y a-t-il, mon cher Agito? Comment? Mais qu'est-ce que... Hein? Y'a deux Agito. Comment est-ce possible? Un autre moi? Oh, je ne comprends pas. Est-ce que je vois double? Ce doit... C'est sûrement un rêve, oui, c'est ça. Un rêve, ouf. En ce cas, bonne nuit. Qui est... Hein? Non! Mauviette! T'es parti chez Elodie. Non? Ok. Où est-ce qu'il s'est cassé, ce salopio? Dans les montagnes? Pas dans le puits en tout cas. Est-ce que tu aurais vu courir? Il vient de partir. Donc il est bien retourné là, dans les falaises. Et voilà. T'as fini de te casser. Je suis grand maintenant, tu t'appelles Agito aussi, pas vrai? Tout est devenu clair quand on s'est touché tout à l'heure. Toi et moi, nous étions sûrement une seule et même personne, jusqu'à notre premier combat contre Murtor.
Maintenant que Martin est mort, nous devons reprendre notre identité. Je comprends. Mais j'ai peur. Que se passera-t-il quand nous ne serons plus qu'un? Est-ce que je vais devenir toi? Ou est-ce que tu vas devenir moi? Ou est-ce que nous allons découvrir devenir une personne totalement différente? J'aime ma vie telle qu'elle est maintenant. Si je pars maintenant, je suis quelqu'un qui a besoin de moi. Tu comprends pas vrai? Je suis sûr que tu pourras expliquer tout ça à nos parents quand tu retourneras au château. À l'aide, au secours! Agito, où es-tu, Agito? Des monstres envahissent le village, c'est horrible! Oh. Tout le monde fait de son mieux pour les affronter, mais ils sont trop nombreux. C'est bon, j'arrive! Ok. J'avance à peine et voilà, je rentre dans un combat quoi. Je pense qu'on est soigné. Vite. Oh shit, motherfuck! Ouais, c'est ça. T'en vas te cramer la gueule, mon gars. Cure assassin. On va commencer par lui. Je suis assez faible par contre là. Hein. Partielle. Tu vas soigner. Là. Et toi, protège nous, s'il te plaît. Poum. Ça fait mal. Hein. Ça marche pas. Ok. Donc ça déjà. Ça va dire, on va faire un petit point. Et on va continuer à soigner. Non, je parle pas le bâton de foudre, le bâton de paradis. Comme ceci. Continue à nous protéger, Amy. C'est des monstres violents. Très très violents. Ok, ça va un peu mieux là. J'espère que Case Dentier fonctionne sur l'autre monstre. Ça fonctionne. Ça c'est tout bon. On fait casse dentier. Hop. On protège encore. Ne meurs pas, Abby. Pauvre jouer. Bon, ça va. Hein. Voilà. Mais si ça fonctionne. Avec du mal, mais ça fonctionne. Clair. Le multipoint. Hop. Dommage. Ok. Et voilà, un peu soigné, ça ira mieux. Je vais attaquer tranquillement et simplement. Internet. Multi-soie, s'il te plaît. Attends, si peu de temps quoi, ils ont réussi à foutre le feu. Toi! Même si j'aime pas ce mec. Ouais. Chef troll. Oui. C'est lui qu'on doit devoir finir très rapidement. Un petit coup de tension. Pas attaque désespérée, s'il te plaît. Tac. Allez, c'est mort. Continue les casse d'entier avec une attaque de faucon. Attaque ça. Alors, ta trombine. Fais mal quand même. Ça va? Ouais, Mélodie. Elle est là. Les monstres ne sont pas encore rentrés ici. Je vais m'occuper de Mélodie, occupez-vous des monstres dehors. Ah, bien sûr. Hein. Par hasard, c'est moi. Alors, c'est où? Parce que j'entends le bruit, mais... Là. Hop. Viens là. J'adore la viande. Moi aussi d'ailleurs.
Hop. Attention. Mega Protexio. Ça tape tout le monde, mais ça va en termes de dégâts. Coup de défense, lui. Non, c'est bon. Hop. Attaque du faucon. Voilà, ça fonctionne bien. D'ailleurs, j'ai raté. Plein de coups de pied circulaire. Est-ce qu'il y en a un autre au niveau de Schlemmer? Bien entendu. Faut-toi affronter. Hop. On va toujours se protéger. C'est bien de se protéger. Le héros a morflé. Hein. On va peut-être le finir avec les cases d'entier. Non, il tient. Il tient bon. Défense. Attaque du faucon. Soin même complet. Pas par-ci. Heureusement on a esquivé. Voilà, il tient. Tac. Sec. Ah ouais, il fait très très mal même. Mange bien lui. Passer de PM. Super, soyez tous. Ouais. Oui, je suis Agito. Enchanté. Et on va te défoncer. Voilà. On balance tout. Ok. Tant que c'est pas une attaque désespérée, ça passe. Hein. C'est tranquille. Donc. Flamme d'éclair. Ça va, tout va bien, monsieur le maire. Il y a encore des mobs. Ah, les maisons. Attends, parce que lui, il s'est caché. On va harceler tout le monde. Bon, j'avais pas grand monde à soigner, mais bon. Ok, tout le monde est en sécurité ici. J'avoue, c'est marrant. Viens par là, toi. Avec le comptoir. Attention. Hop. Avec beaucoup de PM quand même, on peut faire bien plus de choses. Hein. Aspiration. Ah, tiens, on va faire multi-point. Hop. Je vais taper le trouble aux oreilles. C'est pas suffisant, malheureusement. Allez, meurs. Voilà. Ah là, faut que le mec. Hein. Là aussi. Et ben, ça en fait des gros gros monstres. Hein. Oh là là. Lui. Hop. Oui. C'est pour ça qu'il faut l'achever au plus vite.
Tac-tac. C'est tout bon. Du faucon. Ça va, lui il met rien, ce monstre-là. Ça, je peux vraiment le laisser. T'as rien. Allez. Et là-haut. Encore un monstre. Chef troll. Là, c'est du violent, par contre. Voilà. Ça va, Emily commence avant, toujours. Avec la méga protection. C'est pour ça que la bague d'agilité, franchement, c'est trop bien avec elle. Ça nous sert tellement. Là, ce serait cool aussi de la défense. Alors, faut bien faire un choix au bout d'un moment. Fire Sword. Toc toc. Il est tranquille. Esquive. On continue. Puis. Non. Là non plus. J'ai tout fait, non? Il y a encore des monstres? Où est-ce que j'en aurais raté? Ça ici, tout est fait. Pas d'étage. Ouais, la boutique d'armes. Allez, on y va. Affronter ce monstre, c'est toujours ces monstres. Il y en a plusieurs, il n'y en a pas qu'un. Hop. Première position, elle commence. Meilleure protection. Ça va. Hop. Le critique, tu meurs. Je sais pas c'est quoi ces chances de critique, mais si jamais attaque normale, c'est bien mieux quoi. C'est bon? Là j'ai tout fait. Ne dis pas qu'il en reste un. Ah ok. Juste ici. On va faire soigner tout le monde. Ça va être le plus costaud. Tu es le rêve de celui-là. C'est le sacré numéro tous les deux. Si j'écrase cette mauviette, tu mourras aussi. Si tu veux le tuer, tu ne peux rien y faire, sauf regarder. Ouais. Oui, 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 allez, allez, moi je te défonce la gueule, c'est un boss. Shiva attaque. Oula, j'aime pas ce genre de monstre par contre. Mais pas du tout. Torse d'esquive. Torse d'esquive. Tension, méga altération. Faire une tension et méga protection. Est-ce que tu tapes plusieurs fois? J'imagine que oui. Ouais, giga glace en plus. Des bons sorts. Un truc pour envoyer. Tu vas voir mon gars. Va te faire tellement mal. T'as pas pris méga protection aussi. Tu vas la remplacer. Soit partiel, peut-être soigner. Oui, on va soigner quand même. Méga crâne. Ah, ça fait mal par contre. Et méga altération, ouais. Donc vaut mieux faire des méga protections.
Aucun dégât. Ok. On va soigner maintenant. Soin partiel. Ouais, soin partiel. Elle. Avec lui, ça sert à rien de frapper. Lui. Et soin complet, Brutus. Feu brûlant. Ok, ça passe. Aucun dégât. Non, tu vas pas me dire que je suis obligé de perdre. Coupe claire. Ça paraît bizarre. Hop. Non, parce que regarde, j'arrive à lui mettre des dégâts en lui renvoyant les attaques. C'est très étrange. Avec la protection. Qu'est-ce qu'on pourrait te mettre dans la tronche? Super flamme. Allez, super flamme. On va tester. Hein. Quoique lui renvoyer ses propres sorts aussi. Réflexion. Emily. Et toi. Confusion de la torpeur. Super flamme. Pas affecté. Oh bon dieu. On est tombé sur quoi encore? Hop. Je continue coup clair. Hein. Tu vas te soigner. Réflexion toi-même. Donc ça fonctionne pas non plus. Et un premier secours sur nous-mêmes. À 6 PM. Là, tu pouvais pas fusionner avec nous. Oh, ça se trouve, on devait dire non et il y allait. Oh. Ne dis pas que c'est ça. Ne me dis pas que c'est ça. Toi. Et soigne-toi. Ah, ça fonctionne. Ok, Brutus, on va compter sur toi. Mais là, j'ai plus grand-chose en PM hein, pour me soigner. C'est la catastrophe. Soin partiel. Comme ceci. Passer de PM. Comptez que sur Brutus. Que veux-tu? Plus faire de ça en dégâts glace et tout. Ça touche. Claire. Continue à soigner. Là. On va faire un coup de bâton sur Emily et se soigner elle-même. Pour pas mourir. Ça touche! Très bien. Ah oui, ma débile sort. C'est vrai. Est-ce que ça va le faire? J'espère que oui. Défense. Ouais, c'est bon. Ça fonctionne, ça fonctionne. Hop. Non, tu vas faire quoi? Méga protection. Ça va être mieux. Ça et ça. Toujours des monstres chiants de toute façon ces trucs là. Je peux pas comprendre.
Allez, le héros est bien boosté en défense. Avec le renvoi. Hop. On va faire ça sur lui. Ok, réflexion s'est cassée, c'est-à-dire que je vais pouvoir lui mettre de la défense. Celui-là, putain, il n'utilise même plus de magie. Par son souffle. Il est mort. Eh ben dis donc. Comment avez-vous pu me battre? Vous n'êtes qu'un rêve, vous n'existez même pas. Tu es vraiment fort, hein? Si les deux on te faisait qu'un, on serait encore plus fort, mais... Écoute Agito, si jamais je perdais mon âme si on faisait plus qu'un, tu verrais sur Mélodie pour moi? Bah bien sûr. Merci Agito, maintenant que tu m'as rassuré, on peut redevenir ce qu'on était. Mélodie, ma mémoire, elle est revenue. Vraiment? Je suis le prince de Samnia, je suis allé sur l'île de Murtor pour essayer d'anéantir la malédiction qui pèse sur mes parents. Mais les pièges de Murtor ont eu raison de moi, mon corps et mon esprit ont été séparés. Je ne comprends pas ce que tu dis. Au revoir Mélodie, c'est un honneur de t'avoir pour sœur, même si ce fut court. Hein, comment? Je suis prêt, Agito. Ah, t'es revenu toi-même, hein, Agito. T'as fait un accrème, maintenant, c'est sûr. Félicitations, Agito. Est-ce que tu te sens à nouveau toi-même? C'est le moment de montrer ta véritable puissance, Agito. Qu'est-ce qui s'est passé, Agito? Mais tu t'appelles aussi Agito, pas vrai? Je sens. Tu n'es pas celui que tu étais. Tu n'es pas mon frère. Mon frère est parti. Désolé pour toi. Donc on a pris le sort foudre. Est-ce qu'on a autre chose? J'en sais strictement rien, j'ai pas l'impression. Pauvre Mélodie. J'avoue. Ah, ma pauvre. Ça te fait rien si je fais ça? Oui, tu peux. Voilà. Bien entendu. C'est ça la famille. J'avoue. Elle est toute mignonnette. Bon bah. On a récupéré nos pleins pouvoirs. Sort foudre. Est-ce que c'est puissant dans celui-là? Et c'était violent quand même. Ça va pas par hasard pourquoi ces monstres ont attaqué notre village, n'est-ce pas? Oui. Tu vois, j'ai entendu un monstre prononcer ton nom. Sûr qu'il cherchait un autre Agito, bien sûr, mais... Enfin, tu comprends ce que je veux dire. Pas te demander, moi-même, Agito. Tu me regardes Mélodie dans les yeux après cela. Va donc que tu décides par toi-même ce que tu dois faire. Je te demande bien de réfléchir à ta décision. Ok. Bon bah, c'est tout bon ici, hein. Quand on aura du fric, va falloir y revenir. Alors, je vais pouvoir m'y téléporter, j'imagine. Pizza, ouais, c'est bon. Ouki. Et on aura encore d'autres lieux à visiter. Et puis le tapis, hein, voilà. J'avais prévenu. C'était sûr. Vu dans quoi on s'engageait. Toi, limite ici, on a presque tout fait dans ce monde. À part en bas à droite, il reste un truc qui est à gauche. Mais on a limite tout fait. Que dans l'autre, il en reste encore des zones vastes à découvrir en bateau. Fera peut-être le tapis avant pour être sûr, ramener ça à Sorceria pour l'histoire et après on verra la suite. Et oui, l'armure sacrée, celle qui doit re-soigner. 110, home royal, c'est beau aussi ça. 214. 212. Je n'ai pas gagné grand chose neuf.
tu gagnerais 20. Place de l'armure à pic. T'aurais du soin dans la trombine, hein. Ah bah ils peuvent aussi. Oh c'est intéressant, tu vois, pour Emily. Place de l'armure enchantée. Ouais. Et l'armure enchantée. 121, 166. La place de l'armure magique. Et toi, la jupe magique. C'est à toi. Et l'armure magique, est-ce que je peux à Laura? Je ne peux pas. Attends, j'ai le pire au manteau aussi. Je peux, mais je perds en défense. Ah ouais. Écoute. Équipé. Et armure enchantée. À Laura. Voilà. Après elle, la jupe magique. Pour lui. C'est tout bon, caractéristique. On y est presque. Eh bien, on va se téléporter. Ah, on est soigné, c'est cool. On va rejoindre Sorceria. Et on va rester devant. Du coup, je te donne rendez-vous pour la suite de l'aventure de DQ6, le royaume des songes. Des bisous, Christophe Coeur. À la prochaine. Salut!